Ok les loulous, vous aimez qu'on parle de catch? Eh bien, je n'aime pas le catch, mais c'est plus la proposition d'un film Netflix, Action Fantastique, qui me faisait un peu rêver avec ce film, donc c'est pour ça que je vais réagir à cette bande-annonce. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Le Catcheur Masqué, un film Netflix dont la sortie est inconnue pour le moment, en tout cas c'est ce que marque Allociné, mais je crois qu'il devrait sortir courant mi-avril. Comme je viens de le dire, c'est un film Netflix d'action centré sur le catch, dont le titre original est The Main Event. Et je vais vous lire le résumé. Leo Thompson, un garçon de 11 ans, découvre un masque magique de catcheur qui décuple sa force et lui permet de participer à une compétition de la WWE. Avec l'aide de sa grand-mère, Leo va tout faire pour réaliser son rêve de triompher sur le ring. Mais un enfant peut-il rivaliser avec des colosses pour remporter le titre de champion? Ah bah ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein. Alors c'est parti, lumière moteur, ça tourne, ray, action, générique. Masqué, bande annonce, c'est parti. Demain à Full Bridge, la WWE lance son grand tournoi censé dénicher sa prochaine superstar. Léo, Léo, tu vas être en retard. Debout champion, c'est l'heure de se lever. Il est déjà levé. Oh, on dirait que Léo Luminus veut devenir une superstar du catch. Allez, rends-le-moi s'il te plaît. Oh. Tu t'en tireras pas. Harcèlement, ok. What the fuck? Wow. Les pouvoirs de ce masque ne se révèlent que si la personne qui le porte mérite sa magie. Ok. Oh non, 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 non! Oh oh. Il s'est passé quoi là? Stylé! Quand j'enfile ce masque, c'est comme si je devenais une véritable superstar. La vache. Oh. Je vais te refaire le portrait. Je vous conseille de les lâcher maintenant. Oh, 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 oh. J'avais jamais rien vu d'aussi cool. Le super-héros. Amis de la WWE, nous allons vous offrir une chance d'intégrer la NXT et de devenir une véritable superstar. Oui, oui. Ce gars-là va affronter ce géant. Je vais te mettre KO, mon pote. Ah, bien sûr. Oh, le combat vient de commencer. Comment ça se fait que t'es déjà trempé? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Notre dernier finaliste, Kito. C'est ce que je croyais. Hein. Ah, je plaisante. Je vous souhaite surtout pas bonne chance. Les pouvoirs de ce masque, ce n'est pas ça qui te rend fort. Ta vraie force, elle vient de là. Et de là. Oui, bien sûr. Pour notre ami Samson. Samson. Bienvenue, ah, le boss. Notre grande finale. Bon, il va aller jusqu'en finale. Waouh, t'avais vraiment faim? Est-ce que tout va bien? J'ai brûlé pas mal de calories ces derniers temps. Oh, oh, oh. Le bûcheron. Ok, classe, vraiment très classe. Un film d'action très fantastique, très science-fiction et centré sur le catch. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui concerne la WWE, bah, ça peut être un film pour vous si vous souhaitez. Et en vrai, ça a l'air d'être un film plutôt cool. Dans le film, est-ce qu'il va se battre avec John Cena? Oh, je sais pas, pourquoi pas, ce serait drôle. Donc du coup, on commence avec un jeune black qui se fait martyriser à l'école par trois gaillards blancs.
qui se font remonter le slip quand il découvre son fameux masque. Et après, l'arrivée de la compétition arrive bizarrement au bon moment, hein, pour qu'il puisse conquérir absolument tous les grands du ring jusqu'à arriver en finale, ça c'est sûr. Et je devine assez ce qui va se passer parce que oui, le truc c'est que avec ce scénario là et avec cette bande annonce là, il n'y a pas trop de surprises. On s'attend un peu à ce qu'on va retrouver dans le film. Et donc du coup, je pense qu'à la fin du film, le rival qui se nomme Samson, je crois, va demander à Léo d'enlever son masque. Et voilà, comme ça, je vois ton visage, maintenant bagarrons-nous. Et vu qu'il n'aura pas son masque magique, eh bien, il n'aura pas la force de le vaincre. Ou peut-être qu'en fait, si, il aura la force de le vaincre, et en fait, ce sera un vrai super-héros qui n'a pas besoin de masque. Un film Netflix qui a l'air assez cool, mais un peu prévisible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était Esprit Z, coupé.